Dans cette partie, je vais vous présenter certaines des nouvelles problématiques que les symbioses industrielles font apparaître en matière de gestion de flux. Ces problématiques influencent fortement la concrétisation d'une synergie. Elles sont donc à connaître et à intégrer dans les stratégies de création de boucles de matière et d'énergie sur un territoire. La première de ces problématiques est celle de l'adaptation qualitative des flux. Un flux n'est en effet en général pas adapté aux besoins de l'acteur qui pourrait le valoriser. L'utilisation directe d'un flux sortant d'une entreprise dans le procédé d'une autre est de fait rarement possible. La pureté du flux peut être en cause. Un flux de déchets végétaux, issus de l'industrie agroalimentaire, peut par exemple contenir des fragments de plastique, issus d'emballages. Il sera donc difficile de le valoriser directement en alimentation animale. Ces caractéristiques physiques peuvent aussi se révéler problématiques. Des gravats, provenant d'opérations de déconstruction, auront ainsi probablement un calibre hétérogène. Pour des opérations de terrassement, il sera donc impossible de les substituer directement à un flux de gravier, au calibre plus régulier. La transformation du flux constitue donc en général un préalable à sa valorisation. La solution peut être de nature technique. Dans l'exemple mentionné, les gravats pourront par exemple être calibrés à l'aide d'un équipement spécial. La solution peut également être de nature organisationnelle. Dans le cas du flux de déchets végétaux pollués par des plastiques, un tri à la source peut par exemple s'avérer utile. Selon les cas, cette opération de transformation peut être assurée directement par le producteur du flux sortant, par l'acteur qui le valorisera ou par les deux acteurs. Il arrive aussi que cette opération soit externalisée auprès d'un prestataire de service. Un flux doit aussi être disponible dans des ordres de grandeur appropriés. En effet, si l'offre d'un flux est trop supérieure à la demande, de nombreux débouchés devront être identifiés. Chacun nécessitera potentiellement des opérations différentes de transformation. A l'inverse, si l'offre est trop inférieure à la demande, le valorisateur devra trouver d'autres sources d'approvisionnement, ce qui constitue un facteur de complexité pour lui. Au sein des symbioses industrielles, il est également nécessaire de maîtriser, dans la mesure du possible, la variabilité des flux de matière et d'énergie. À titre d'exemple, les unités de désulfuration des fumées d'une centrale thermique à charbon produisent du sulfate de calcium. Ce flux est en général considéré comme un déchet, mais il peut, toutefois, dans certains cas, servir de matière première à la fabrication de panneaux en plâtre. On le voit bien, dans ce cas, que la variation d'activité de la centrale, en fonction de la saison, impactera la production de sulfate de calcium. La quantité de matière première valorisable, par un potentiel producteur de plâtre, variera donc aussi. A noter que cette variabilité saisonnière peut être plus forte encore, notamment dans le cas des déchets agricoles. La variabilité constitue donc un facteur de risque important en termes de sourcing, risque qu'il convient de maîtriser. Les entreprises engagées dans des démarches d'écologie industrielle doivent de ce fait identifier des sources d'approvisionnement alternatives et, dans ce cas, recourir à un prestataire de service qui garantit la transformation et la fourniture du flux peut constituer une solution d'externalisation adaptée. Il est également nécessaire d'acheminer un flux de son producteur à son valorisateur. Deux types d'enjeux se posent alors. Des enjeux techniques. Au-delà d'une certaine distance, la qualité de certains flux se dégrade, interdisant de ce fait toute valorisation. C'est notamment le cas pour les flux d'eau et les vecteurs énergétiques, tels la vapeur ou l'air comprimé. Se posent également des enjeux économiques. Le transport d'eau et de vecteurs énergétiques nécessite en effet la construction d'infrastructures, en l'occurrence de canalisations. Bien évidemment, cette opération impactera l'équation financière de la synergie, qui pourra perdre de l'intérêt si la distance entre les deux acteurs est trop longue. Cette remarque est également vraie pour les flux de matière, en général acheminés par transport routier. La gestion d'un flux est encore impactée par la réglementation en vigueur. Concernant les flux de vecteurs énergétiques et d'eau, cet impact reste minime en France. La réglementation d'interaction concerne en effet essentiellement les infrastructures support de ces échanges, à savoir les canalisations et les lignes électriques. Concernant les flux de matière, la situation est totalement différente. Un flux sortant a souvent le statut de déchet, et ce statut s'avère lourd de conséquences. La législation en vigueur peut ainsi tout d'abord empêcher la mise en place d'une synergie. La gestion de ce flux peut aussi entrer dans le champ d'application de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, dite ICPE. Cette réglementation contrôlant les impacts sur l'environnement et les populations des installations industrielles considérées comme à risque. Relever du régime d'autorisation de cette réglementation représente un coût important. De nombreuses études techniques doivent en effet être réalisées, et cela impacte aussi la temporalité de la synergie.
puisque 2 ans peuvent être nécessaires à la réalisation de l'entière procédure. C'est notamment lorsque un flux au statut de déchet est valorisé sous forme énergétique, en remplacement d'un combustible fossile classique. Lorsque le flux de déchets est valorisé directement en tant que matière, cela peut aussi être le cas. L'impact est notamment important si le flux de déchets doit être transformé avant d'intégrer le procédé qui le valorisera. En effet, l'acteur qui réalise cette opération est, d'un point de vue juridique, considéré comme traiteur de déchets. Enfin, la mise en place d'une synergie doit, de manière évidente, comporter un intérêt économique pour les acteurs en jeu. Cet intérêt peut découler de coûts de traitement évités, de la vente d'un flux, ou de la baisse de coûts d'approvisionnement ou de production. Or, comme je vous l'ai montré dans cette partie, de nombreux facteurs peuvent impacter l'équation financière d'une synergie. Le calibrage du flux, par rapport aux exigences du procédé valorisateur, peut exiger la construction d'une plateforme de transformation. Son acheminement représente également un coût, que ce soit au travers de l'investissement dans une infrastructure ou des charges liées au transport. Enfin, les études imposées par la législation ICPE représentent un poste de coût supplémentaire, qui peut se révéler non négligeable. De ce fait, le différentiel de prix entre le flux initial et le flux circulaire qui pourrait le remplacer est absolument fondamental pour déterminer l'intérêt d'une synergie. Il doit permettre un retour sur investissement relativement court, adapté au temps industriel. Dans cette optique, un des principaux leviers au développement de l'écologie industrielle est donc d'intégrer le potentiel de synergie entre acteurs dès la conception des processus industriels, des zones industrielles ou des quartiers. En effet, c'est à ce moment que la décision d'investissement sera la plus facile, et c'est aussi à ce moment que l'investissement sera le plus efficace. À noter enfin que l'équation financière d'une synergie est d'autant plus importante qu'il existe, au sein des entreprises, de nombreuses barrières organisationnelles et psychologiques au développement de l'écologie industrielle. Les outils de gestion et les procédures des entreprises, quel que soit leur domaine, achat, qualification de matière, sont en effet conçus en fonction de logiques linéaires. Et cette linéarité a également façonné les habitudes de travail des personnes en charge des fonctions. À titre d'exemple, un cahier des charges correspond, de manière générale, aux caractéristiques d'un flux physique pur et d'une matière vierge, stable et standardisée. Or, comme nous l'avons vu, l'essentiel des flux des écosystèmes industriels ne répondent pas directement à ces critères. Il existe donc, au sein de nombreuses structures, une résistance au changement qui peut, dans certains cas, s'avérer relativement tenace.